Regarde, regarde. Une botte. Oh, c'est à lui. Dans la
vie, il faut se bagarrer pour avoir ce qui vous fait envie. Eh oui. Là, il y a assez d'or pour bien vivre toute une existence. Quand la fortune vous passe à côté, il faut la saisir par les cheveux. Et cette fois, je crois que le coup, il en valait la peine. Alors, Onx, qu'est-ce que tu fais? Voilà que tu parles tout seul maintenant, c'est pas très gentil pour nous, ça. Mais dis-moi, tu crois pas qu'il serait temps de faire le partage? Je voudrais avoir franchi la frontière du Mexique avant la nuit. Ah oui, je parlais tout seul. Je me disais que c'était un coup qui en valait la peine. Ça, c'est juste. Nous l'avons fait tous ensemble. Du beau travail entre amis. Un tas d'or et de la joie. Et maintenant, faudrait partager. Hé hey, qu'est-ce que tu en dis? Ah, et partager avec qui? Hé, hey, muchachos! Le soleil du désert a dû lui monter à la tête comme un verre de tequila! Vous avez entendu? Il ne sait pas avec qui partager. Vous n'aviez peut-être pas bien compris, mais voilà ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit, en effet. Je suis prêt à le répéter. J'ai fait trop de chemin pour mettre la main sur ces sacs d'or. Nous avons été obligés de supporter la puanteur de votre peau grasse. Non, nous ne partagerons pas l'or avec de maudits Mexicains. Lève les mains. Et tiens-les bien en l'air, face d'huile. Mais comme tous les bâtards, tu es tellement bête que tu t'en es même pas rendu compte. Des bêtes, marier sans arrêt avec les pics et la pioche. Allez, piochez, faites un grand trou pour enterrer toute la bande. Sous la terre, vous pourrez faire de bonnes parties de thé. Vous n'aurez plus à piocher. Ils ne nous donneront même pas un verre de tequila avant de nous tuer. Et pourtant, tous les criminels y ont droit avant de mourir. T'en fais pas, là-haut, on va t'en donner de la tequila. Des litres de tequila et des tonnes de tortillas. Et vous pourrez parler espagnol sans que les gringos vous en empêchent. Je discuterai dans votre jargon avec le diable. Et toi, métis, quelle langue vas-tu parler? De quel côté tu penches? Entre amis, la différence de langue ne doit pas compter. Je l'ai prouvé. Ça n'est pas ton cas. Aujourd'hui, je peux dire que tu es un ami. Avec tout l'or dont tu me fais cadeau. Ne le laissez pas filer! Jack, Billy, attrapez-le! Les chevaux! Il dégage les chevaux! Tirez les chevaux au soleil! Mais attention, les chevaux sont! Bravo, muchacho! Courez, arrêtez-le! Il faut l'arrêter! Faites quelque chose! Il nous faut ses chevaux! Il est bien! Mais ne tuez pas les mecs! Arrêtez-les! On ira pas loin sans chevaux dans le désert, Hawks! De l'autre côté, Charlie! De l'autre côté! Attention! Vous pouvez sauver les chevaux, idiots! Oh.
qu'il faut en finir, ne perdons plus de temps. Ils nous ont mis dans le beau drap, on est mal parti. Le désert à pied. Attention, c'est bien pris, Charlie. Mais une bonne rafale et qu'ils soient tous par terre. Nous avons fait des balles. Elles pénètrent mieux que celles en plomb. Maintenant, tu as vu en face le visage de la mort et l'or qui a causé ta blessure te vengera. Nous serons avec toi et nous te servirons. Mais tu devras nous parler des verts pâturages où tu es allé. Ces verts pâturages d'où tu es revenu. Toi qui as pu les voir à la lumière aveuglante de la mort, tu dois tout nous dire et tu nous parleras de notre peuple et de nos grands chefs disparus. Pour entendre toutes ces choses, nous te suivrons. Nous te protégerons. Ragazzi, non ho paura di nessuno. C'ho troppa fame per aver paura. Dici bene, Pat, è un paese come un altro. Non vedo proprio di cosa aver paura. Non c'è nessuno qui che dice di aver paura. Perché forse non siamo abbastanza lontani. Lontani da che cosa? La strada è questa. Abbiamo già scelto. Avec les bêtes et ne bougez sous aucun prétexte. Vous deux, allez au magasin. Bon, d'accord. Hé, hey, Willy, Bud, occupez-vous des bêtes. Prenez-en bien soin. Et vous deux, venez avec moi. Bon. Donnez-leur à boire lentement si vous ne trouvez pas quelqu'un. Quand est-ce qu'on va se mettre quelque chose sous la dent? Il va bien y avoir quelque chose à manger dans ce maudit bazar. Johnny, Max, venez avec moi. Envoyez un magasin. Allez, bonjour à vous tous, hombre. Charmant pays que le vôtre. C'est la première fois que je passe par ici, mais c'est rare que je me trompe.
On voit tout de suite que vous êtes des types sympathiques. Il n'y a personne qui ait des chevaux à vendre parmi vous. Nous allons vers le nord et nous sommes à pied. Le peu de chevaux que nous avions au départ n'a pas pu tenir le coup jusqu'au bout. Alors je me suis dit, arrêtons-nous ici. Et nous voilà. Qu'est-ce que tu attends pour donner les cartes, Norton? Servi. Deux cartes. Je ne comprends pas comment un gars qui n'a plus de chevaux trouve le moyen d'en rire. Bien, t'en arrives. Les chevaux, il y en a ici, mais ils coûtent cher dans notre pays. Ne vous en faites pas pour ça, patron. Nous sommes des gens qui travaillent et nous avons de quoi payer. Whisky pour tout le monde. Au revoir. Et il est bon, j'espère. Vous avez l'air de venir de loin, je me trompe. On regarde pas la route quand on essaie de trouver du travail. Du travail qui rapporte. Ah ça oui, par les temps qui courent, ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui travaillent. On voit que vous devez être de braves garçons sociables et tranquilles. Vous êtes tout couvert de poussière. Vous avez traversé le désert, sans doute. Vous avez pris la route la plus pénible qui soit pour venir jusqu'ici. Ah, tant mieux pour vous. La vente des chevaux, ça rapporte, non? C'est comme une partie de cartes, une affaire. Alors, ça vient, patron. Nous sommes très pressés. Je viens de vous dire que les chevaux coûtaient cher ici. Ça ne vous ennuie pas. On nous a payé avec ça. Combien de chevaux vous faut-il? 9. Vous en avez encore beaucoup. De ça. Il y en a encore. Je m'arrangerai pour vous les procurer rapidement. Hé, hey, Richie! Joue quelque chose pour ces gens-là. Florie! Florie! Qu'est-ce que tu attends pour descendre? Nous avons les voyageurs qui viennent de loin et qui veulent s'amuser. Viens chanter quelque chose pour eux. Belle fille, chouette. Et une belle voix. To tell you, stranger, 'cause you're new on the scene. I want to tell you that this town is the best in the land. My town is. Désirez autre chose? Non, je crois que ça devrait aller. On va récapituler tout ce qu'on a acheté. Vous avez des vivres pour tenir un mois? Eh oui, nous avons une longue route à faire. Nous allons dans le nord pour travailler. Bon, nous disons viande fumée, farine, café, sucre, haricots. Pendant que tu y es, ajoute au ravitaillement 10 boîtes de cartouches calibre 12. 10 boîtes? Vous avez l'intention de chasser, vous ne trouverez guère de gibier. Oh, il y en a, il y en a. Un moment, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite.
sont recherchés. Ils ont des sacs bourrés d'or. Hé, hey Scott, dépêchons-nous. On a tout ce qu'il nous faut. Oh, je dois nous attendre. Il faut charger tout ça en vitesse. My town is so nice, my town. I know you'll be staying on forever. Tell of your wants and remember that your time may be limited. My town is so nice. Oaks, est-ce que tu n'as pas toi aussi l'impression qu'il fait noir comme dans une tombe ici? Ah, imbécile. C'est qu'après le soleil du désert, on n'est plus habitué à la pénombre. Pas comme ça, tu es encore très faible. Je me sens bien, ne t'inquiète pas. Maintenant, mes blessures sont cicatrisées. On ne pourrait pas aller un peu plus vite? Non, mon cheval est vieux, il prend son temps. Alors, vous ne les rattraperez jamais. Des hommes qui ont faim et soif et pas assez de chevaux avancent lentement. Ils sont obligés de s'arrêter. Il y a un petit village plus loin. Beaucoup plus loin? Non, derrière les montagnes, là où finit le désert. Comment s'appelle-t-il ce village? Moi, je ne sais pas comment l'on nommait les visages pâles. Non, mais notre peuple l'appelle le pays de l'angoisse mortelle. Il ne faut pas en laisser échapper un seul. Allons-y tous, allez, vite, allez courir! Tous ensemble! Attendez là-bas! Enfin, allez-y, quoi! Allez! Allez! En avant! Par là, par là! Plus vite! Plus vite! C'est là! C'est là! Rideau! À nous, là-bas! Attrapez-le! Ça y est! Il est touché! À moi! Bon temps! Ne lâche pas! Vas-y, David, vas-y! Ah. On arrive! Tiens. On va le corriger, salaud! Tiens, prends ça! Ne lâche pas! Au secours! Faites-le voir! Après le désert, il faut avoir soin! Voilà. Voilà. Tu ne fais rien pour attendre! Par ici, David! Attrapez-le! Voilà, ça y est. Vite, c'est pas fini. Corps, les corps. Voilà. Allez, reviens. Tu feras plus mal à personne. Pendons-le. Attention, si au bout d'une corde. Mais t'as pas besoin de crier comme ça. Pour toi, c'est terminé. Où est-ce qu'on le prend? À l'abreuvoir. Et tout de suite, c'est pas de temps à faire. Il arrête pas moi. Il est touché. Il est touché. Il est encore vivant. Et qu'est-ce que t'attends pour l'achever? Tenez le tien, il est costaud. Ne lâchez pas, l'oreille, la barre. Le temps des prêtres, avec ton fils solide. Il doit être meilleur pour l'enfiler encore dedans. Ça n'a pas l'air d'y plaire, hein? Allez, vive, mon gros, vive. Tirez, assassin, bandit. Il faut pas de courir les routes. Voleur, on va le mettre avec les autres. Et tiens, Steve. Et montre-lui que tu connais le métier. Un traitement de faveur pour lui. Travaille proprement, Slim. Tu feras plus peur aux honnêtes gens. Vas-y, gentiment, Slim, en douceur. Pitié, je vous en prie, pitié. Faites quelque chose pour moi. Tiens. Allez, t'es prêt, Billy Boy? Toujours prêt pour la justice. Allez, vas-y. Ça les amuse. C'est un pays d'honnêtes gens chez nous. Un pays où il n'y a pas de place pour les voleurs et les assassins. Allez, un coup de main, vous autres. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, basta, basta.
Basta così! Attento al sangue, gocciola come un maiale. Guardate, si muovono ancora. Hanno la pellaccia dura. Assassin, bandit, il ne peut pas y avoir de pitié pour vous dans notre pays. C'est la main de notre Seigneur Jésus qui vous a puni. Et ici, gâte encore comme un pantin. Ils dansent bien la scie, t'as vu leur tête, t'as une folie. Hé, regardez, il nous en reste encore un. Mais c'est leur chef. Ah, celui-là, faut pas le manquer, allons-y. Oui, oui, attrapons-le, allons-y. Venez, les amis. Regarde, monsieur. Eccolo. Ainsi la colère des honnêtes gens. Allez, rends-toi! Lui, il n'y en a pas un de vous qui est capable de le descendre. Il y a une prime de $500 qui nous en débarrasse. Attention, Lister. Non. Il l'a tué. Tu es fou, Pat, n'y va pas. Pat, reviens. Qu'est-ce que tu fais, étranger? Lassé de la vie? $500 pour toi si tu le descends! Ah bon sang, mais je vois plus clair. Regarde, amigo! Non, non, c'est pas lui. Mais d'où viens-tu? De l'enfer, hein? Thank you.
Mais va-t'en! Toi, tu n'es qu'un fantôme et tu veux me faire peur! Fantôme, tire donc! Tire! Ah, c'est pas vrai, il l'a trouvé comme une passoire. Il a la peau dure, il est encore vivant. Tant mieux. Mais il l'a bien arrangé. Faudrait mieux qu'il soit mort. Tu tires bien, étranger, mais t'es un vrai boucher. Tu l'as drôlement sonné, j'ai l'impression que t'as bien gagné les 500 dollars. Rendez-le avec les autres. Allez, donnez-moi un coup de main pour le soulever. Vous prenez les jambes. Hé, là-bas, une minute. C'est Soro. Attendez, j'ai dit. Posez-le. Cet homme m'intéresse. Je le veux vivant. Il a encore certaines choses à me dire. Après, il sera toujours temps de voir ce qu'on en fait. Pourquoi voulez-vous l'épargner? Il doit être pendu, lui comme les autres. C'est un bandit. Macho! Me voilà. À vos ordres, monsieur Soron. Occupe-toi de lui, tu t'y entends. Enlève-lui un petit peu de plomb et puis remets-le sur pied. Ah, allez, les enfants, appuyez-moi le porter. Je comprends rien, c'est toi. Ah, bon, on va t'entendre. Ah, moi, j'aurais préféré qu'on le porte tout de suite. Oui, ça, tu l'as dit. Si je balance au bout d'une corde, ça sera un peu plus. La pitié n'est pas toujours une bonne chose, vous savez. Et qui a parlé de pitié? J'ai reçu des renseignements au sujet de ces hommes. Des gueux, des gens sans scrupules, des bandits, des assassins. Nous le savions, Soro. En les punissant, nous n'avons fait que notre devoir. C'est possible, Tumblr, mais il cache quelque chose. Certainement une âme perverse. Nous avons voulu faire justice, c'est tout. Ah. Tumblr, en ce qui me concerne dans cette affaire-là, votre justice, je vous la laisse. Moi, ce que je cherche, c'est différent. Figurez-vous, accompagne-moi, Willy. Cet individu devra parler. Enfin, lui, quelqu'un d'autre. Nous sommes à votre disposition, monsieur Soro, comme toujours. Ça voudra mieux pour vous. En attendant, allons voir si Pancho a encore fait des miracles. Qu'est-ce que tu as décidé? Nous restons ou nous partons? Je crois que je vais rester. Nous le savions. Che hai fatto, disgraziato? Lo hai ammazzato! Perdonami, Soro, è tutta la vita che cerco oro senza trovarlo e quest'uomo ne è imbottito. È vero! È pieno d'oro, signor Soro. Una pallottola d'oro. Ma qui c'è qualcuno che vuole scherzare. Perché? Non è morto? L'oro è un modo infallibile per uccidere. Sì, sì, non c'è che dire, è morto. Però è un modo costoso per qualsiasi pistolero. Roba da 30 dollari al colpo.
Un investimento che rende. Credo di essermi guadagnato i miei 500 dollari, vero, signor Templer? Cosa? 500 dollari? E da quando in qua sei così generoso? Non è per me, ma per il bene pubblico. La gramigna va estirpata a qualsiasi prezzo. Non devi far molto conto sull'oro se lo usi per la pistola. L'oro serve a quel che serve. Eccoti i tuoi 500 dollari, forestiero. Se è questo che sei venuto a prendere. In questo momento ho più bisogno di un letto. Li pagherai domani. Non ho fretta. C'è una camera per me, ragazzo? Sì, signore. Subito, signore. All'aria di venire da lontano. Come tutti i vagabondi. E allora? Écoute-moi bien, Templer. Mon ami le vieux Pancho n'a pas réussi à le remettre en état. J'ai l'impression que vous étiez bien pressé de supprimer cet homme. Et que le métis vous a donné un coup de main. Il s'est tiré et il l'a si bien arrangé qu'il ne peut plus parler. Ces gens-là étaient vraiment trop dangereux. Nous étions obligés de nous défendre. Mais il ne s'agit pas d'eux. Je ne vais pas pleurer sur leur sort. Il s'agit de ce qui détenait. Un chargement d'or. C'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Et pas les balles de ce métis. Alors débrouille-toi pour qu'il parle. Tu entends, j'ai pas de temps à perdre. Nous n'avons jamais vu cet or, Soro. Un de ces bandits a sans doute réussi à s'enfuir avec. Les hommes sont pas des idiots, non? Ils ont les yeux bien ouverts. Et toutes les terres qui entourent cette ville sont à moi. Personne ne peut passer sans que j'en sois informé. Hagerman peut en témoigner? Oh, le témoin, ce n'est pas moi. Mais celui qui, de là-haut, nous a quittés. Même celui-là, je le ferai parler. Personne ne va jamais résister. Et suivez-moi, vous autres. Hey, 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 hey. Firmato con una croce. Perché non gli hai dato i suoi soldi e non l'hai mandato via? Non li ha voluti, voleva dormire. Senti. Non dorme affatto. Da quando è entrato lo si sente camminare. Domani gli darò i suoi soldi e se ne andrà. E noi, ti prego, non avere debolezze con nessuno. Mano quello che hai sempre sognato. Non temere, sarò spietato. E finalmente ci sposeremo. Non voglio essere più soltanto la tua amante. Certo che ci sposeremo. Dormi con me stanotte? No, stanotte no. Cammina più. Si on fait un partage équitable, je dois avoir au moins le double de toi. Mais tu n'es pas fou, Templer. Il me semble que c'est moi qui l'ai découvert, non? Mais qui t'a aidé à cacher les sacs d'or? Qui est les deux mulets? Tu pouvais tout aussi bien me faire aider par quelqu'un d'autre. Ah oui. Et d'où l'argent que je t'ai prêté depuis des années et que tu ne m'as jamais remboursé? Écoute, Hagerman,
J'ai fait des investissements dont vous avez tous profité dans cette communauté. Toi, pour commencer, avec ton magasin. Ensuite, j'ai transformé ce trou en un pays civilisé, prospère. Et je t'ai toujours payé régulièrement les intérêts. Sur ce plan, tu dois reconnaître que j'ai aussi mes mérites. J'ai compromis ma réputation pour toi et tu le sais. Qui est-ce qui aurait pu te fournir une meilleure couverture, hein? Dis-le-moi. Mais pour le moment, il ne s'agit pas de nos mérites. Nous sommes en train de nous partager cet or. Et ce sera moitié-moitié. À moins que tu ne préfères qu'on se querelle et que j'envoie chez toi les hommes de Sorrow. Tu essaies de me faire chanter, salaud. Oh, je t'en prie, pas d'injures, Templer. Ça ne m'atteint pas. Sale vermine. Si je pouvais t'écraser. Moitié-moitié, tu entends? Par égal. Ormai appartiene a tutti e due e non intendo subire i tuoi ricatti. La vedremo. Non dovresti farmi delle minacce. Non porti via niente. Porto via la mia parte. È da stabilire qual è la tua. È già stabilito. No. Non me lo puoi impedire. È anche mio. Se te la scappo. Voglio quello che mi spero. Non rispetta niente. Entrare, signore. Cosa vuoi? Ho qualcosa da chiederle. Un favore. Mi hai svegliato. Ma è giorno fatto. Sì, signore. Beh, cosa vuoi? Perché non parli? Vorrei chiederle di portarmi via con lei. Con me? E dove? Non importa dove. Mi hai ricordato che anch'io dovrò andare da qualche parte. E non so dove. Lei sa sparare bene. Può andare dove vuole. Mi porti con lei. Una pistola non serve a niente, ragazzo. Perché te ne vuoi andare? Non voglio più stare in questa casa, né in questo paese. Ci sarà pure qualcosa di meglio al mondo. Sì, qualche volta ho incontrato qualcosa di meglio. Allora, glielo chiedo per favore. Non posso. Devo restare qua, proprio qua, in questo paese. Mi dispiace. Come ti chiami? Evan! 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 Ma che succede? Guarda tuo figlio che cosa mi ha fatto! Tutti i vestiti nuovi che mi hai portato da Denver! Mi odia! Mi odia! È un criminale, ma finirà sulla forca come tutti quelli che stanno là fuori! Dai, calmati, te ne comprerò degli altri. No, non li voglio! Già, tu lo perdoni sempre. Non è tutta colpa sua, lo detesti anche tu, Florie. No, non è vero, non è vero, è lui che mi odia! Calmati, calmati, lo punirò. Evan! 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 Evan!
datemi una mano a tirarli giù. Lo sapevamo che non avresti dimenticato i tuoi fratelli. È ben fatto. È tutta la notte che si lamentano. L'aria era molto fredda stanotte. Vuoi dire? Che cosa? Com'è dall'altra parte, tu che ci sei stato? La grande prateria è piena di bisonti. Dicono che i pascoli siano liberi e abbondanti e che non si deve più combattere. Et toi? J'aimerais savoir qui t'a dit de détacher cette canaille. Tu te figures peut-être que tu vas faire la loi ici? Ah non. C'est nous qui sommes là pour prendre les décisions. Et non, le premier vagabond qui passe. Ils doivent y rester jusqu'à ce qu'ils tombent par terre en morceaux. Ici, c'est une ville réservée aux honnêtes gens. Nous, on aime l'ordre. On les laisse pour qu'ils servent d'exemple. Ils doivent pourrir sur la potence. Tiens, étranger, voilà tes 500 dollars. Tiens, et un bon conseil. Va-t'en. Nous n'aimons pas les gens qui ne sont pas de chez nous. Nous ne tenons guère à avoir des Indiens. Et nous ne tenons pas à avoir des gens bizarres. Nous sommes tous de braves pères de famille et nous voulons que les choses soient à leur place. Des choses nettes. Alors va-t'en. Dis donc, c'est à toi que nous parlons. La grande prateria non è libera, sapete. Si combatte anche dall'altra parte. Allora hai bisogno di un cavallo. Tu, muchacho! On est par la queue! La noix! La noix! Ça y est! Plus là, mon chacho! Allez, prenez! C'est pour toi! Bravo, hombre! Bravo! Bravo! Par ici. Sais-tu quelle est la maladie la plus dangereuse? Fourrer son nez dans les affaires des autres. Ah bon, parce qu'il s'agissait d'affaires. J'étais persuadé qu'il jouait. C'est vrai, d'ailleurs, nous sommes tous en train de jouer. Le muchacho est notre invité. Nous voulons te faire participer à des réjouissances. Une charmante petite fête familiale. C'est difficile de se soustraire à vos invitations. Qu'un cela ne tienne bêtise, tu ne seras pas de trop, mon garçon. Je t'ai vu tirer là-bas et ça a été pour moi un plaisir de t'observer. Mais tu peux pas te permettre le luxe de gaspiller souvent des balles aussi rares et aussi coûteuses. Elles ne servent que dans les grandes occasions. Ah, chez moi, ce ne sont pas les occasions qui manquent. Si tu veux du travail, viens à mon ranch. Qu'est-ce que t'en dis? Et pourquoi non? Après tout, on peut discuter.
Spiegalo bene. Non aver paura di fargli troppo male. Pedro! Oui, patron. Prends ton cheval et file. Tu vas aller tout de suite chez son père. Dis-lui que je veux récupérer l'or qu'il a pris aux bandits qui sont pendus sur la place du village. Et que moyennant quoi je lui rendrai son fils. Je veux tout l'or et qu'il n'en manque pas un gramme. Va lui dire ça. Et ajoute que j'aime pas du tout qu'on me fasse attendre. D'accord, patron. Un cheval! Muchachos, il y aura de l'or pour tout le monde. Entre nous, qu'est-ce que t'en penses, étranger? Moi, j'ai une confiance totale dans ce qu'on appelle l'amour paternel. Mais d'ici que Templer ait choisi entre l'or et son fils, j'ai bien peur que le muchacho soit en mauvais état. Jonathan! Jonathan, c'est pas encore prêt, sors pas! Voilà, voilà, patron! Ah, tout le monde! Ça allait passer, quoi! Attention. Bravo, Jonathan! Alors, poussez-vous, les gars! Poussez-vous. Allez, poussez-vous! Allez, on a fort, allez! Attention! Hey, tu, forestiero! Siediti qui. Mi sei simpatico. Ti voglio vicino. Hai visto come tratto i miei muchachos? Non ti tento a far parte della compagnia? Volete tirarvi indietro? Mi coupé il marciò, là! Allora, vous vous tirez pas, il y en aura pour tout le monde. Allez, mange, mange et bois, mon ami, et petit à petit, tu te sentiras des nôtres. Les plaisirs de la table aiguisent l'essence ouvre la porte à la fraternité et la fraternité aux entreprises viriles. Entreprises criminelles? S'emparer d'un enfant de cet âge. Y a-t-il quelque chose de plus viril que le crime? Tu ne me diras pas que ça t'est jamais arrivé. Tu manies trop bien les armes pour ça. Sì. Ho avuto anch'io degli amici. Se con loro hai compiuto qualche delitto non del tutto stupido, forse puoi capirmi. Mangiare, bere e contemplare la propria vittima. Non c'è niente di più sensuale. Puoi giurarci. I miei ragazzi questo lo sentono. Li ho educati da maestro. Guarda con che appetito mangiano, con che golosità bevono. E soprattutto come guardano il muchacho. Si je dois payer une rançon, tu dois en donner la moitié. Ils ont enlevé mon fils. Mais qu'est-ce que j'ai à y voir? Ton fils est à toi, mon or est à moi. Et ma part restera intacte. Nous sommes associés, Herman. Liés par le même secret, nous devons partager le bon comme le mauvais. On ne m'a rien demandé à moi. Canaille, tu laisserais assassiner un innocent. Tu n'as pas le droit de m'insulter. Je n'ai rien à y voir. C'est toi que le malheur a choisi, comme dans le livre d'Ézéchiel. Laisse tomber avec la Bible. Tu ne me feras pas changer d'avis, Templer. Mon or est à moi, je le garde. Crapule, salaud. Assez maintenant, Templer, ou je t'abats. Je te ferai payer ça. Allora, dove siete? Si può sapere quando me la date questa risposta? Calmatevi. Servitevi pure, vengo subito. Ma allora, quando me la date questa porca risposta? Sorro, aspetta! Lo volete proprio far arrabbiare? No. E allora? Niente. Non ti ha dato la sua parte? No, non ha voluto. Allora dovresti essere tu lo sciocco che paga. Vuoi sacrificare un innocente? Ma che innocente? Cosa vuoi che facciano a Evan? È soltanto un ragazzo, l'hanno fatto per spaventarti. Tu penseresti di rischiare? Ma loro non lo possono sapere che hai l'oro, imbecille! E noi diamo tutta la nostra parte per un attimo di paura! Nega, nega! Mai ammettere, nega sempre! Voilà, Pedro. Rien à faire, patron! Il est désespéré, mais qu'il n'a pas l'or. Il dit qu'il ne l'a même jamais vu. Il te supplie d'avoir pitié et de comprendre la douleur d'un père. J'ai un premier travail pour toi, étranger. Je te charge de rapporter le cadavre du muchacho à son père. Lister, supprime-le. Un instant.
Il y a une idée qui m'est venue. Le petit pourrait nous être utile. Je me charge de trouver l'or. Tu tiens donc tant que ça, la vie de ce garçon? Toi, tu tiens à l'or? Bon. Bon, très bien. Mais il faudra que tu gagnes la vie de ton protégé. Tu devras casser les cordes qui le lient à coups de pistolet, tirer à 10 pas. Comme tu es très fort, je vais te donner un handicap comme on fait dans les courses de chevaux. Avant, tu devras boire une demi-bouteille de whisky en 3 goulets. Hein? Ça marche? Si t'es aussi bon buveur que t'es bon tireur. Puis d'autre part, Tumbler Junior, ça vaut bien une cuite, non? Silence! Pour boire, c'est comme pour prier, il faut du recueillement. Et continue. Mets-toi à 10 pas pour tirer. Hey. Rangez vos armes! Rangez-les! Il t'a abîmé la main? Tu t'es laissé avoir comme un imbécile? Très bien. J'aime les gens qui sont rapides. Le muchacho est libre. Je n'ai qu'une parole, moi. Allez, déliez-le! Qu'est-ce que vous attendez? Notre ami lui a sauvé la vie. Il a le droit de vivre. Tu sais que t'as de la chance, mon garçon. Parce que je sais pas si tu te rends compte que s'il y avait eu ton père, tu serais déjà au diable. Enfin, en tout cas, ta peau, maintenant, elle vaut au moins une balle en or. Eh ben quoi, on n'est pas à un enterrement ici, non? Que la fête continue!
Mia, non peux pas dormir tranquille. Hé, à qui a tiré? Je suis pas patron. Moi non plus, j'ai entendu un coup de feu. Ah, debout, hé, hey, debout tout le monde. On sent mes bottes, tu les retrouves plus. Nous sommes des coups de feu. Dehors, là, vers les écuries. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un stupide accident, sans doute. Il jouait avec mon pistolet. C'est un accident qu'il a voulu. Je regrette pour toi, mon garçon. Hier soir, t'es intervenu pour le sauver, mais il n'a pas voulu devenir un homme. Je ne comprends pas. Un homme qui sait prendre ses responsabilités. Un homme qui n'a pas peur, qui ne recule jamais, quelles que soient les circonstances. Il a préféré l'obscurité et le silence. Et maintenant, tu peux faire le travail dont je t'avais parlé. Apporte-le à sa canaille de père, mais en même temps, dis-lui qu'il doit me donner l'or qu'il a volé. Sinon, mes hommes iront bientôt lui rendre visite. J'irai porter le corps, mais je ne crois pas que je travaillerai pour toi. Oh, je suis sûr que si, dans ton intérêt. Pablo, prépare-lui un cheval. Non si vede nessuno. Non ancora. Ma perché tardano tanto? Allora? Lo sta portando il forestiero, sta arrivando. E che sai, cos'è accaduto? Ho degli amici al ranch di Sorro. Pare che sia stata proprio una disgrazia, Templer. Dio mio, Fiori. Eccolo, è qua. Touchez pas. Débarrassez, faites de la place. Garde-toi. Désolé pour toi. Qu'est-ce qui te prend? Tu es fou? Il a eu honte d'avoir un père comme toi! Il se fout! Venez nous aider, quoi! Mais il est fort, ce type! Si c'est pas une honte, il mérite une correction. Il n'a vraiment aucun respect pour la peine d'un père. Il faut le chasser, et plus tôt ce sera, mieux ça vaudra. Ah ouais. Il faudra bien que tu lâches cet or, Templer. Il faudra que tu le lâches. Non, ce serait une erreur. Il y a trop de témoins autour de nous. Loro non sanno che non puoi lasciare questo paese fino a che hai di quelle pallottole. Ne hai ancora molte da sparare. Quando avrai sparato l'ultima potrai dirci la verità.
que nous avons au moins un point commun, toi et moi. Le même ennemi. Ce Templer est un homme dangereux, inviolent. À plusieurs reprises, il m'a fait des menaces. Mais veux-tu entrer? Cette maison est la mienne. Tu m'excuseras, mais je n'ai pas l'impression que les maisons ici soient faites pour recevoir des invités. Moi, c'est différent. J'estime que si un homme est fatigué par une longue route, il doit pouvoir se reposer. Je te demande d'entrer. Mais pourquoi tiens-tu tant que ça? On m'a menacé. Maintenant, j'ai peur. Toi, tu es mon tireur. J'ai besoin de me sentir protégé. Je te paierai. Viens. Faccio tutto da me. Non ho servitori, non mi fido. I servi rubano, tu sapessi che paese. Su, su, mangia, che ne hai bisogno. Ti tratterò bene se stai qui. Tu non mi crederai. Ho fatto del bene a tutti, ho aiutato tutti e adesso ho paura. Una persona onesta non può dormire tranquilla in questo paese. Tu vivi solo? Purtroppo sì. Beh, è come se lo fossi. C'è sempre una donna alla finestra. Ah, l'hai vista allora? Sì. È mia moglie. Ma è come se non esistesse. È pazza. La devo tenere chiusa nella sua stanza. Non fa male a nessuno. Ma non ragiona. È come una bambina. Soprattutto per lei ho paura se mi accadesse qualcosa. Gli uomini di Sorro sono dei predoni ai quali può sempre far gola una casa come la mia. E Templer, tu lo hai visto che razza di uomo è? Tra l'altro è uno che vive pubblicamente nel peccato. Forse per questo la mano del Signore lo ha voluto colpire con la morte di suo figlio. Ma con quella donna, quella Flori, non è sposato. La loro convivenza è sempre stata uno scandalo. È buono, ti piace? Voglio uscire, voglio uscire! Sempre così. Povera donna. Che guaio. Bene. Scovate il forestiero e ammazzatelo. Non deve passare la giornata di domani. Ci sono sempre quei due indiani fra i piedi. Bisogna trovare una scusa per provocarlo. Fate come vi pare, ma domani sera io voglio il forestiero morto, capito? D'accordo, padrona. Ci penserò io. Ecco qua, è un buon letto. Non lasciarmi solo e non addormentarti. Hai sentito? Così. Senza spegnere. Puoi riposare e stare allerta. Ho sonno. Ho sonno e dormirò. Domattina voglio andarmene via presto. Buonanotte. Buonanotte, ho detto. Thank you.
Allora è vero che sei qui. Ho sentito la voce, i passi, i rumori. Non mi riconosci? Sì, ti ho visto alla finestra. Ti facevo dei segni e non capivi. Che cosa volevi dirmi? Di andartene, di tornare indietro. Questo non è un posto per te. Tu sei diverso dagli altri, sono sicura. Non puoi stare qui in questo paese. Almeno tu devi salvarti. Salvarmi da che cosa? Dalla morte? No, da qualcosa di più terribile. Perché vivere qui è spaventoso, sai. Guarda me. Come ti chiami? Elizabeth. Sei malata. Non è vero. È lui che mi fa credere pazza. E io ho accettato. Ma perché? Che cosa hai fatto? Perché mi sono innamorata di un altro. Tanto tempo fa. Ed allora mi tiene chiusa in quella stanza. Dunque non sei pazza? Sì che lo sono. Non capisco. Sì, perché ho tanto bisogno d'amore. E lui ti ha aperto. Ma perché? Perché gli deve difendere la casa, i soldi, la sua roba. E ora dov'è? No, non farlo, va via, finché sei ancora in tempo. Davvero, mi vuoi baciare? Sono gli uomini di Sorro. Armatevi e mettetevi alle finestre. Ma non sparate, via. Fermi con i calati. Tableur. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, Laure? Ils le trouveront sûrement. Il faut le cacher. Ouvre, Tableur, ou tu le regretteras. Tableur, nous sommes nombreux. On a assez perdu de temps comme ça. Enfoncez la porte. Carlos, Pablo, Vincent, John, allez-y. Allez, Lisco. Nous n'avons pas le cœur à recevoir des visites. Le saloon est fermé. Nous sommes en deuil. Ah,
Écoutez-le, il nous ferait presque pleurer. Allez-y, commencez. Au travail, fouillez et mettez tout en l'air. Tu cachais l'or. Je vous ai laissé chercher, fouiller partout pour que vous voyiez de vos yeux. Vous avez tout vidé. L'or n'est pas chez moi. Et vous savez pourquoi? Parce que cet or se trouve chez Hagerman. C'est lui qui l'a pris. Si tu as menti, garde-toi. Sono qui. Stanno arrivando. Salvami. Sono qua sotto. Guarda. No, non affacciarti. Ti ho ospitato per questo. Spara. Difendimi. Mi hai fatto venire qui per difendere la tua casa, tua moglie, la tua pelle, o hai qualche altra cosa da difendere? Qual è la? Non lo so. C'è una luce accesa oggi. Ehi, vai, ci divertiremo. Ecco, c'è Willy. La casa è questa. Hagerman! Hagerman! Tira fuori l'oro, se non vuoi mai! Ecco qua cosa deve difendere, daglielo, daglielo, amore! Non voglio che ti facciano del male! Ma che cosa fai? Ah. Lasciala! Hagerman! Hagerman! Apri! Sappiamo che ce l'hai tu! Apri! Tira fuori l'oro! Non farci perdere la pazienza! Ma non è lui, Willy! Attento! È il forestiero! È l'oro! È l'oro! Sparate! Mi è cresciuto in casa, insieme con quel bastardo mezzo sangue. È così che mi ha difeso. Vi schiaccerò tutti e due. Vedrete chi è Hagerman. Thank you.
Cerca di dimenticare. Non soffrire così. Ma l'amore, allora, non serve proprio a niente. Non ti può aiutare. È impossibile l'amore. Finché nelle strade cammina certa gente. Sì, è vero. Li vedo sempre dalla mia finestra. Sono orribili. La mia pistola. Je vous ai donné le pouvoir de dominer les serpents, les scorpions et toutes les bêtes venimeuses, et de dominer vos ennemis, et rien ne peut vous nuire. Que celui qui veut devenir puissant soit votre serviteur, et que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous, parce que notre Seigneur Jésus lui-même est venu sur la terre non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour racheter l'âme des pécheurs, nos frères. Donne-moi quelque chose à boire. À donner mon adresse aux amis. Ça fera d'une pierre deux coups. C'est lui qui l'a pris pendant que nous dormions. Et pourquoi? Où est-il allé? Il faut que je le retrouve. Mais il n'y a pas que lui. Il y en a tellement qui sont dangereux. J'ai peur. Ils sont tous contre toi. Tu veux que je reste? Non. Tu es le seul qui puisse les tenir en échec. Tu dois y aller. Oui, il faut que tu viennes me chercher. Il le faut, je ne pourrai plus vivre avec lui. Vous avez vu comment on l'a arrangé? Il risquait pas de s'en remettre. Ce qui est curieux, c'est qu'il a laissé son revolver. Il est vide. Il me semble que je le connais, ce revolver. Ouais. Attendez une minute.
Cette balle est en or. L'assassin. Qu'est-ce que nous attendons pour en finir avec ce métis? Venez, cette fois il a dépassé les bornes, il faut faire justice. Mais Flory, où est-elle passée cette diablesse? Je ne l'ai pas vue de la matinée. Cette fille est une moins que rien. Je me demande jusqu'à quel point elle n'a pas trempé dans ce crime. Venez et prenez des fusils. Bon, on y va. D'accord. Viens, Larry. C'est une chose affreuse. Je n'arrive pas à croire que c'est vrai. Hagerman a tué Tembler et il voulait me tuer aussi. J'ai pu lui échapper à temps. Oh, je vous en prie, vous seul pouvez m'aider dans cette affaire. Comment est-ce arrivé? C'était au saloon. Tembler et moi venons de rentrer du cimetière. Oh, je suis morte de peur. Ils vont m'accuser de la mort de Tembler. Qu'est-ce que vaudra ma parole devant celle d'Hagerman? Quand je pense que nous n'étions même pas mariés. Ou bien il va me tuer, ou bien il me fera tuer. Oh mon Dieu. Vous voulez devenir très riche? Je ne comprends pas ce que vous dites. Expliquez-vous clairement, s'il vous plaît. Ce que je dis est sérieux. L'or. L'or de Tembler. Si vous me sortez de là, vous en aurez la moitié. Où l'avez-vous caché? Il est au cimetière, avec le corps d'Even. Je n'aurai jamais le courage d'aller le prendre. Mais je peux vous dire qu'il y a de quoi vivre. Tous les deux, la vie entière. Assez. Si quelqu'un touche au cercueil d'Evan, je ne vous le pardonnerai pas. Ces deux morts ne te suffisent pas? Mais tu es pourri, plus pourri que les cadavres du cimetière. Cet or n'appartient plus à personne. Mais comprenez que c'est la seule chance qui me reste. Sans cet or, comment pourrais-je partir? Vous êtes fous? Ils me tueront? Et vous aussi? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, nous sommes prêts? Allons-y. Oui, vous venez? Oui, pour finir avec ce sale métis. Je serais content de le voir danser au bout d'une corde. On va s'amuser cette fois. Protégeons nos enfants et nos femmes. Il faut rétablir l'ordre et la discipline dans ce pays en éliminant ces deux bâtards. Pas de pitié pour les hors-la-loi. Ils ont raison, on tue. On va faire le grand nettoyage. Allez, fouillons partout. On finira bien par les trouver. Je ne sais pas. Tu vois rien, là? Oh, il faut faire le tour complet. Allons, 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 bâtard! Allons voir là-bas. Allons-y. Hey, Grégoire. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on devrait voir ces sales Indiens dans un pays comme le nôtre? Ah oui, regardez-les, ces deux peaux rouges. Commençons par eux. C'est à nous de débarrasser le pays des chiens, des sans-mêlés et des Indiens. On va les envoyer à leur grand Manitou. Très bonne idée, on va les faire courir. Allez, attrapons-les. Déprisa, ta busca, quieren matarme. Dove il tuo compagno? Lo han matado. Matado. Courez, bon sang! Allons-y, on va s'appeler. Arrête-toi! Tu ne peux pas nous échapper! Vas-y, oui! Laisse-le! Attends, mais salaud! Ah, tu n'as pas raté, oui! Attends un peu, salaud, maintenant tu vas avoir affaire au patron! Savoir, hein. Il est tombé entre les griffes d'un homme qui le hait encore plus que moi. Si c'est une chose possible, viens par ici. Non! Viens! Mais viens! Non! Non!
Tu n'en sortiras que morte, sale petite garce. Fermati, Carlos. Basta così. Dunque non vuoi deciderti a parlare, che stupido. Ti avevo offerto un posto tra i miei ragazzi, mi eri piaciuto. Potevamo essere amici. E tu invece hai preferito fare il doppio gioco. Voglio sapere dov'è l'oro e tu me lo dirai. Non è per l'oro, ma perché mi hai deluso, profondamente deluso. Certo. Potevi essere uno dei nostri e tu hai preferito difendere la casa di quel borghese. Metterti al fianco di quella donnetta. Ma ora ti costringerò a dirmi tutto. Carlos, perché non lasci in libertà le nostre bestiole, i nostri persuasori occulti? Noi ora ce ne dobbiamo andare, ma non ti lasceremo solo, sai? Sarai tu stesso a sceglierti la compagnia. Di un po', cosa preferisci, il serpente dei sassi, il vampiro o la lucertola nera degli abissi? Ti ripeto, puoi scegliere. Avrai tutto il tempo. Carlos, hai fatto? Ce ne andiamo. Lascia perdere la messa in scena. C'est inutile, tu perds ton pinceau. Je ne dirai jamais rien. Tu parleras. Tu parleras. J'en ai ma tête plus coriace que toi. J'obtiens toujours ce que je veux. Nous allons t'abandonner à ta solitude. Allons-nous-en, Carlos. Qui se repose un peu. Il a parlé en fin de compte. L'or n'est pas loin. Le prisonnier a dit plusieurs fois le mot cimetière. Cherchez et fouillez partout. Et rapportez-le vite. Hai un po' di conversazione, amico? Ti senti solo? Ti manca la compagnia? Il cimitero. Il cimitero. Dovrebbero tornare prima che faccia il turno. E ancora presto. Tuo papà? No. Thank you.
Comment as-tu fait pour entrer? Oh, je leur ai joué un air à ma façon, ils se sont endormis. Là. Bravo, caporal. Vieil ivrogne, va, je te sers tout de suite. Je pense qu'il n'y a rien de tel que l'uniforme pour donner à l'homme prestance et confiance en soi. Et la confiance en soi entraîne la perversité à force de côtoyer la mort. Hein? Mais, ah, tiens, bois. Vieille éponge. Mais t'as encore plus de vis que moi. Hein? Bon sang. Mais je trouve rien du tout. On a été roulé. Pourtant, l'or doit être ici. Le métis l'a dit, l'or est ici et il faut qu'on le trouve. Allez, les gars, au travail, prenez les pelles et creusez-moi tout. Défoncez-moi ça. Su, forza! Dateci dentro! Spaccatevi le schiene! Thank you.
tu as fait, malheureuse. C'est au premier. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ça brûle en dessous. Ça grille comme de la paille. Regardez, l'escalier a pris feu. Vous avez vu ces flammes, il faut faire quelque chose, voyons. Le feu a gagné le rez-de-chaussée maintenant. Voyons, papa, approchons, ça va gêner. Cette flamme comme un feu de bois sec. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va passer par derrière. Vamos! Gardez pas de temps. Non, mes frères, remercions le ciel que le feu n'ait pas pris dans notre église. J'ai entendu le dommage des plus jolies maisons du pays. Mais Ackermann, tu crois qu'il est là? C'est usurier. En tout cas, avec tous les gens du pays qui lui doivent de l'argent, je suppose que s'il y restait, il y en a beaucoup qui se frotteraient les mains. Ah oui, ça pouvait mettre le feu à tout le pays. Alors reculons un peu, c'est dangereux de rester là. Oui, elle risque de s'écrouler d'un instant à l'autre. Il n'y a rien à faire.